Bonjour chers amis bibliothécaires, comme toujours j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vais parler avec vous d'une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée qui trouvait intéressant certains des lieux que je vous avais présentés dans une vidéo bonus sur les lieux hantés à Singapour. Et elle m'avait donné deux lieux dont elle aurait bien aimé en savoir plus, donc j'ai choisi un des deux qu'elle avait mentionné. Et j'ai fait des recherches sur l'Istana Woodnunk à Singapour. Mais avant de vous en dire plus, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, bien au chaud, que ce soit près du feu, sous les couvertures, sous un plaid, avec 2-3 pulls, comme vous voulez, tant que vous êtes bien au chaud. Peut-être avec une petite boisson chaude qui fait plaisir. Moi, comme vous l'avez sans doute vu dans l'onglet communauté, j'aime bien de temps en temps me faire soit un petit cappuccino au caramel ou au chocolat blanc, ça dépend de l'humeur. Sinon, je suis plutôt thé au citron avec du miel. Mais bon, après, c'est comme vous voulez, hein. Et puis peut-être vous allez prendre quelques petites choses à grignoter ou tout simplement faire quelque chose d'autre pendant que je vous raconte tout ce que vous avez à savoir sur le fameux Istana Woodnunk. Si vous êtes prêts, bien installés, tout comme il faut, bien à l'aise, eh bien nous allons pouvoir commencer. Comme vous savez, dans ce genre de vidéo, j'aime tout d'abord vous présenter l'endroit. Je n'aime pas faire une vidéo sur un endroit et juste vous dire il s'est passé ci, ça, ça, et ça s'arrête là. Donc je ne vais pas changer mes habitudes. Et je vais d'abord vous présenter dans un premier temps ce qu'est ou ce qu'était du moins l'Istana Woodnunk. Alors maintenant, à l'heure actuelle, il a changé de nom, même si depuis il est en ruine. Mais au départ, il s'appelait l'Istana Woodnunk et après il s'est transformé en Istana Wooden York. À la base, c'était un palais constitué de deux étages qui se situait dans l'ancien parc Tirsol. Aujourd'hui, il est abandonné et à moitié en ruine. L'ancien parc Tirsol, lui, était délimité par Holland Road et Tirsol Avenue. C'était près des jardins botaniques de Singapour, à Singapour même. Le nom qui a changé, en fait, ça a été dû au fait que le premier Istana Woodnunk a été détruit malheureusement et qu'il y a un autre qui a été reconstruit en 1935 et auquel on a donné ce fameux nom Istana Wooden York. En 2006, celui-ci va connaître un incendie et c'est à ce moment-là en fait où il va commencer à être abandonné puisque selon les estimations, on va juger que le bâtiment est complètement irréparable. Donc on va laisser le palais tel qu'il est et peu à peu il a commencé à tomber un petit peu en ruine et maintenant ce qu'il reste ce sont des vestiges. Cependant il ne faut pas oublier que l'endroit où se situe le palais ainsi que le terrain qui l'entoure reste toujours à l'heure actuelle des terres privées. Ils n'appartiennent plus à un propriétaire mais c'est l'état de Johor qui a racheté les terres et c'est eux qui en ont la possession. Si on regarde la plupart des cartes modernes, on ne le trouve pas, il est introuvable. Ce palais. Et comme vous vous doutez, même si c'est un lieu abandonné, comme il est privé, il n'est pas accessible au public. Donc revenons un peu sur l'histoire de ce fameux palais. Alors tout va commencer au milieu des années 1800, donc avec notre première version qui est le Woodnunk House, qui est donc situé à ce moment-là sur une section de 36 acres du domaine de Tirsol Park qui appartenait à un commerçant du nom de Captain John D. Ross. C'était un commerçant anglais. Ross va mourir en 1888 et il sera même commémoré dans une biographie qui sera écrite par son fils, John D. Ross Jr. Deux parcelles vont être vendues ce jour-là. Celle donc de John D. Ross qui venait de décéder et celle de William Napier qui avait lui un domaine voisin à celui de John. Ces deux parcelles, elles seront achetées par un certain Wan Abu Bakar Ibn Deng Ibrahim en 1860. Abu Bakar, entre-temps, est devenu Temenggong de Johor lorsque son père, Temenggong Deng Ibrahim, va décéder en 1862. Trois jours après la mort de son père, il va déménager donc de sa résidence qu'il avait jusqu'au domaine donc de Woodnunk House et le fameux domaine acheté à William Napier. Il va faire même de Woodnunk House sa résidence principale.
Juste comme ça, je ne vais pas vous faire toutes les épouses, puisque Abou Bakar va avoir plusieurs épouses dans sa vie. Mais tout ce que l'on sait, c'est que Istana ou Nuk House sera une résidence temporaire de la troisième épouse du sultan. C'est elle qui supervisait la conception et la planification d'Istana Tirsov. Malheureusement pour elle, la sultana Fatima, donc le nom de la troisième épouse, elle n'a pas vécu assez longtemps pour pouvoir voir l'achèvement du palais qu'elle avait décidé de construire, justement à côté du fameux palais. Elle avait décidé de le construire sur une petite colline, justement pas loin du Woodnuck House. Son Istana Tirsov, comme elle a voulu l'appeler, va être achevée en 1892 et elle mourra malheureusement le 25 février 1891. Vous vous doutez que, du fait que sa troisième épouse est décédée, Abou Bakar va prendre une quatrième épouse. Et sur son testament, Abou Bakar, le 14 avril 1895, va léguer le palais à celle-ci, la sultana Khadija. Abou Bakar va mourir le 4 juin 1895 et la sultana Khadija va mourir dans le palais, elle, le 1er février 1904. C'est le fils et successeur d'Abou Bakar, le sultan Ibrahim al-Marhum, qui va prendre la relève de celui-ci dans le palais. Beaucoup disent à cette époque que le palais aurait été démoli, mais ce n'est pas le cas. L'Istana Tirsov est resté debout, il a même été entretenu par des gardiens. Ensuite, on va utiliser le palais pour des événements à grande échelle, par exemple comme des matchs de polo hippique, donc du polo à cheval si vous préférez, ou pour des courses automobiles. On va même créer un Tirsov Country Club, qui va lui superviser les diverses activités qui seront organisées dans le domaine du Tirsov Park. C'est là que finalement l'ancien palais va être démoli et qu'on va décider de reconstruire sur le même site une structure de remplacement qui va devenir donc l'Istana Wooden York. Celui-ci a été conçu par un certain Denis Saint-Huy de Swan and McLaren et il sera construit par Nanyang Structural Company. La construction va commencer en 1932 et s'achever en 1935, ce qui sera à temps pour célébrer le 62e anniversaire du sultan Ibrahim de Johor et ses 40 ans de règne. Et c'est pas pour rien que je l'évoque, puisque ce nouveau palais a justement été construit pour le sultan Ibrahim et son épouse, qui est d'origine écossaise, la sultana Hélène. Son nouveau nom, donc Istana Wooden York, même si officiellement c'était celui-là, il a été très peu utilisé. Il y avait juste quelques membres de la famille royale qui l'appelaient comme ça. Mais c'est vraiment le nom de Woodnuck House qui est resté ancré dans toutes les têtes. En 1939, le sultan Ibrahim va décider de prêter une partie de son domaine pour qu'il soit utilisé par l'armée indienne comme zone de camp militaire pour faire un soutien à l'effort de la mécanisation de l'armée indienne en préparation de la Seconde Guerre mondiale. Le palais, quant à lui, va rester la résidence royale de la famille du sultan jusqu'avant la bataille de Singapour de 1942, sachant que le sultan lui-même sera basé principalement à Johor. Un premier incendie va avoir lieu dans le palais en 1942. À cette époque, donc vous avez compris que le sultan n'y était plus, et on utilisait donc le palais en pleine guerre de Singapour comme une sorte d'hôpital ou de centre médical. Et malheureusement, ce jour-là, lors de l'incendie, 700 membres du personnel ainsi que des patients vont y perdre la vie. Singapour sera libéré en 1945 et c'est un général qui va brièvement occuper les lieux. Il porte le nom de Sir Miles Dempsey. Après, ce sera un commandant en chef, Sir Montagu Stopford, qui va occuper les lieux en 1946. En décembre 1951, l'État de Johor va dépenser 14 500 dollars, singapouriens, précision, pour refaire le toit du palais qui commençait à laisser à désirer. De 1957 à 1986, c'est un gardien du nom de H.G. Suleiman qui sera en charge d'entretenir le palais et son enceinte. Il a été engagé par le Johor State Council et il vivait avec sa famille non loin du palais. Il n'y avait plus personne dans le palais et c'était donc ce gardien qui devait entretenir. Et plus tard, en 1990, en décembre 90 pour être précise, le gouvernement de Singapour va faire un achat obligatoire du Tirsov Park et il va décider de le laisser inaccessible au public.
Le seul problème, c'est que même s'il l'a racheté obligatoirement, eh bien, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus personne qui entretient. Et donc, le palais ainsi que ses alentours va être laissé à l'abandon, tout simplement, et sans soin. Donc, au fur et à mesure, celui-ci va tomber en ruine. Et ses environs vont être recouverts d'une épaisse végétation due à ces décennies d'abandon. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de l'histoire et du nombre de morts qu'il y a eu dans le bâtiment, il serait assez logique que beaucoup considèrent que ce manoir soit hanté. Et d'ailleurs, il est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de Singapour. Il y a cependant certains aspects qui sont un peu plus sombres du passé du manoir, qui renforcera encore ses croyances. En tout cas, ce qui est sûr, le fait qu'il y a 700 personnes déjà qui soient décédées lors d'un incendie, c'est 700 âmes potentiellement qui ont peut-être pas compris ce qui s'était passé, qui sont peut-être restées sur place, quelques-unes d'entre elles. C'est possible, ça reste une possibilité. Comment se rendre à Easternawood Muck? Donc, je vous le dis, mais sachez que même si je vous dis comment vous y rendre, sachez que c'est totalement interdit. Donc, si vous voulez vous rendre à Easternawood, il faut que vous alliez à un arrêt de bus en face de Dempsey Hill. Puis, vous recherchez une passerelle qui est abritée et qui mène à un pont aérien à l'arrêt du bus. Ensuite, vous devez passer des barricades et vous trouverez une ouverture dans une zone forestière. Et c'est là en fait que vous commencez l'aventure pour rejoindre Easternawood. Vous allez ensuite traverser la forêt, puis atteindre une pente. Parce que je vous rappelle que Easternawood est construit sur une colline, donc il va falloir monter à un moment ou à un autre. Comme vous vous doutez, vu que l'endroit est à l'abandon, il vaut mieux être habillé avec un bon pantalon, des bonnes chaussures de randonnée et éviter d'y aller en short et tongs. Voilà. Si vous avez de la chance, vous trouverez sur votre chemin des cordes, puisqu'il y a eu des gens qui ont attaché des cordes aux arbres pour aider à monter cette fameuse pente. Puisque celle-ci est quand même assez raide, il faut dire ce qui est. Une fois que vous serez arrivé en haut de la colline, alors vous devrez tourner à droite, marcher un petit peu, et enfin vous pourrez voir l'Easternawood à travers le feuillage. Ça, c'est la majorité des personnes qui ont fait, par exemple, des urbex, ont emprunté ce chemin, c'est pour ça que je peux vous dire comment y accéder. Au début, cela ne posait pas trop de problèmes. Seulement, il y a de plus en plus de personnes qui y sont allées, et pas forcément pour des raisons, nous allons dire, juste d'aller voir la beauté du paysage ou juste faire chasseur de fantômes, mais sans rien dégrader, quoi, juste faire la visite. Beaucoup de gens y ont été pour des mauvaises choses, et souvent, nous allons dire, des choses liées au satanisme. Et du coup, le bâtiment est tagué de partout. Et il y a beaucoup de choses qui rappellent Satan, des pentacles, des 666. Et il paraîtrait même que des jeunes feraient même des prières sataniques dans cet endroit. Donc, du coup, alors que la police laissait un peu passer au départ, eh bien, récemment, elle a décidé de mettre un terme à cela et de surveiller un petit peu plus le bâtiment. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, même si ça reste quand même il y a quelques années, la police a attrapé et arrêté des intrus. Le truc, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, ou n'ont pas envie de savoir, ça c'est au choix de chacun, que c'est un terrain privé, donc théoriquement, vous n'avez pas le droit d'y pénétrer. Et donc, ils y vont comme ça, sans vraiment avoir d'autorisation. Et au niveau de la loi, c'est illégal. En 2016, il y a même eu un citoyen singapourien qui, lors d'une balade justement près de la Woodnut House, il a repéré des jeunes qui étaient en train de vandaliser les murs de la propriété. Donc la police a dû intervenir. Ça, c'était en janvier 2016. Je peux comprendre qu'après tout ça, les possibles messes sataniques, les dégradations, etc., la police soit un peu moins d'accord pour laisser les gens y aller comme ça pouvait être le cas avant. Et il y en a même qui avouent, j'ai lu certains témoignages d'enquêteurs paranormaux ou chasseurs de fantômes, selon comment vous voulez les appeler, ou même de simples touristes hein, qui avaient été juste comme ça pour aller faire un tour, qui avaient été intrigués par l'histoire du bâtiment et qui voulaient voir à quoi ça ressemblait, sachant que c'était un ancien palais, voilà. Et bien, qui se sont rendus compte après coup, après y avoir été, fait le voyage, fait des photos, etc., qu'en fait c'était totalement interdit. Heureusement pour eux, ils ne se sont pas fait arrêter.
Maintenant, nous pouvons aborder quelque part, maintenant que vous savez un peu plus sur l'histoire de ce château, comment vous y rendre, éviter de vous y rendre, donc du coup maintenant, vu qu'il est un peu plus surveillé, pourquoi on pense que ce château est un des lieux les plus hantés de Singapour. Alors, c'est sûr que si on regarde le bâtiment tel qu'il est, qu'on décide d'y aller de nuit, oui, l'Istana Wonnok correspond à ce qu'on s'attend d'avoir lorsqu'on parle de manoir hanté, par exemple. Il est bien caché du monde avec la végétation, assez sombre, il a une façade qui est en ruine, il y a plein de graffitis dessus. Mais c'est pas vraiment ça qui a le plus de poids dans la balance pour qualifier ce lieu de possiblement plus hanté de Singapour. C'est surtout en fait les morts qu'il y a eu à l'intérieur et donc les légendes qui ont eu lieu après pour raconter de possibles histoires de fantômes. C'est surtout en fait le passé du manoir en tant qu'hôpital, comme je vous ai dit, où il y a eu déjà les fameux morts lors de l'incendie, mais en tant qu'hôpital, il y a eu aussi des centaines de morts, tout court, tout simplement. Et c'est la principale raison qui pousse les Singapouriens à penser que ce bâtiment est l'un des plus hantés. Puisque la majorité pense que les esprits se sont tout simplement attardés dans la région et dans ce bâtiment précisément. Après, si on ajoute à tout ça la longue histoire du manoir, même s'il y a eu des choses qui se sont bien passées, il y a aussi des choses qui ont été un peu moins roses. Et vous avez eu des morts aussi dans la maison. Donc ça pourrait expliquer de possibles activités paranormales. Après, que je sois clair avec vous, il n'y a pas, comment dire, de grosses histoires paranormales sur le lieu. Où vous n'avez pas un fantôme très connu que tout le monde peut voir, etc. Généralement, ce sont plus des sensations que les gens ont. Et il y a très peu de témoignages. J'ai pu, un peu en cherchant, trouver 2-3 témoignages de personnes qui y avaient été et qui ont dit ce qu'ils ont ressenti. Mais je n'ai pas trouvé plus que ça. C'est vraiment plus, quelque part, le passé et le fait que ça a été un hôpital qui, dans la tête des gens, fait que ce bâtiment est forcément un des lieux les plus hantés. Comme je vous le disais encore une fois, avec les 700 morts, avec les centaines de morts dues à la bataille de Singapour qui ont été emmenés dans ce centre médical, plus les morts de certains propriétaires, enfin, tout ça amène à penser beaucoup de gens que certains esprits peut-être ont décidé de rester sur les lieux. Certains ont été interrogés, et là ça a été plus de façon globale, nous allons dire, où on aurait des visiteurs du domaine qui auraient rapporté avoir rencontré des événements fantomatiques dans l'ancien bâtiment. Et ils disent qu'apparemment, il y aurait quelque chose de plus sinistre qui s'y cacherait. Comme vous le savez, depuis 2006, malheureusement, un incendie a ravagé le bâtiment. C'est ce qui a amené justement, malheureusement, à sa perte et au fait que il tombe en ruine, puisque impossible de pouvoir en faire quelque chose. Et malheureusement, quelque part, le fait qu'il y a eu cet incendie, ça a juste amené à ce que le bâtiment soit encore plus détérioré et ceux qui aiment faire des tags ou vandaliser s'en sont donnés à cœur joie. Disons que le fait qu'il y a des tags partout, dont certains sont, on va dire, symboliquement sombres, ça aide pas non plus au niveau paranormal à laisser une bonne impression. Vous avez par exemple des graffitis qui représentent des croix à l'envers, ce qui est normalement, si je ne dis pas de bêtises, typiquement satanique. Vous avez le nombre 666 aussi, ou vous avez d'autres symboles qui seraient apparemment de type satanique qui se trouvent sur les murs. Après, on ne sait pas si c'est cette raison-là de ces tags qui a amené des rumeurs selon lesquelles ce manoir, enfin ce qu'il en reste, serait un foyer pour certains satanistes qui viendraient y effectuer des rituels sombres. Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet, beaucoup sont au courant de cela. Après, personne n'est jamais tombé sur des gens en train de faire un rituel dans cet ancien bâtiment. Tout ce qu'on peut se demander, si c'est cette activité qui a pu conjurer ou même amener des entités plus sombres dans le manoir abandonné, ce qui fait que certains ressentent qu'il y a quelque chose de plus sinistre. Ça, on peut se poser la question. Est-ce que c'est dû à ces choses sataniques? Ou est-ce que ce sentiment sinistre est dû fait juste au tag qui leur donne une impression qu'il ne se passe rien?
et que ce bâtiment est juste rempli d'esprits qui sont bah, juste perdus et qui, peut-être pour certains, ne savent ou se rendent même pas compte qu'ils sont morts ou ne veulent tout simplement pas encore partir parce qu'ils ont quelque chose à faire ou quelque chose à dire avant de pouvoir, comme on dit, passer dans la lumière. En ce qui concerne les observations en elles-mêmes, vous avez plusieurs observations qui ont été signalées par des habitants. On y voit généralement des ombres, des esprits, il y a aussi des parfums fantômes, c'est-à-dire une odeur, je ne sais pas moi, pour vous expliquer un parfum fantôme. Si par exemple ils avaient l'habitude de faire cuire une andouille tel jour, eh bien vous allez sentir une odeur d'andouille alors que bah, y a plus personne dans le manoir, il est impossible de faire la cuisine puisque tout est à moitié détruit. Mais ça n'empêche que vous sentirez ce parfum quand même. Ou quelqu'un qui avait l'habitude de fumer le cigare par exemple. Eh bien d'un seul coup une odeur de cigare va vous venir aux narines alors qu'il n'y a personne qui fume le cigare aux alentours. C'est ça les parfums fantômes, au cas où certains ne connaissaient pas cette référence. Il y a même certains des habitants qui auraient évoqué la possibilité de poltergeist. Mais encore, ce sont que des témoignages comme ça, pas de témoignages précis, c'est plus des on-dit à droite à gauche, si vous voulez. J'ai trouvé 2-3 témoignages de personnes qui, eux, ont vraiment été dans les lieux et qui ont ressenti des choses. La majorité sont soit des touristes, soit des chasseurs de fantômes. La première personne nous dit « Il y a des entités ici qui ne sont pas agréables. Sur les 5 d'entre nous qui étaient là quand on a filmé, 3 ont été tourmentés par des entités. Et cela, quand nous sommes rentrés chez nous. Elles nous ont suivis. Ce n'étaient pas des entités habituelles. C'était démoniaque. Istana Woodnuck est maintenant utilisé pour des cultes sataniques. » pour accomplir leur rituel. En fait, le palais leur est connu comme l'église de Satan. C'est comme ça qu'ils la nomment. Je le sais parce que nous avons parlé avec beaucoup de gens depuis cette fameuse nuit. Et beaucoup d'entre eux ont bien voulu nous confesser ce qu'ils savaient sur ce lieu. Une autre personne nous dit que le père de mon ami, qui nous avait rejoint de manière assez inattendue alors que nous étions en train de faire l'exploration du bâtiment, nous a affirmé qu'il pouvait voir les fantômes. Alors que nous continuions notre exploration, il va alors nous dire qu'il a vu un homme de type britannique, avec une barbe et une moustache qui se tenait debout à côté des escaliers du premier étage. Il y aurait vu aussi des serviteurs asiatiques et 4 dames déguisées. Elles portaient chacune un verre de vin. Et pour terminer le troisième que j'ai pu trouver, c'est lui un peu plus connu, puisque là, c'est pas juste un témoignage comme ça, il y a son nom. C'est un enquêteur paranormal du nom de Noël Boyd, qui avait été un jour avec son équipe faire un tournage à Istana Woodnuck, et qui dit « Je me souviens d'être au 2e étage, et quelque chose m'a juste dit « Tu dois sortir de là, tu dois partir ». Donc comme vous voyez, ce n'est pas de grandes histoires ou de fantômes très connus qui se baladent dans ce bâtiment. Mais ce sont plus des ressentis. Bon, même là, si Noël Boyd, lui, on lui aurait directement parlé. Après, c'est du ressenti. Et puis, quand on a un petit don, comme supposément le père en question, des apparitions qui sont possibles d'être vues dans le palais. Mais je veux dire, vous ne trouvez pas ces témoignages comme ça facilement, tout n'est pas regroupé. J'ai été voir sur plusieurs sites de personnes qui faisaient justement des enquêtes paranormales et qui avaient été sur les lieux. Et certains ont pu livrer ces quelques informations et d'autres, eux, n'ont spécialement rien vécu de très paranormal. Après, on sait bien que le paranormal, ça n'arrive pas parce qu'on le demande, hein. Généralement, ça arrive comme ça doit arriver. Quelqu'un peut y aller un jour et il se passe strictement rien. Et puis le lendemain, quelqu'un y va, soit parce que bah, ça a décidé de se montrer à ce moment-là ou que la personne est plus sensible peut-être. Je ne sais pas quelle est l'explication, mais en tout cas, elle vivra quelque chose que la personne de la veille, elle n'aura rien vécu, ça aura été une simple visite banale. Donc voilà, vous avez des enquêteurs qui n'ont rien vécu en allant dans ce bâtiment et d'autres, comme vous avez vu, j'ai pu en trouver 2-3, qui ont vécu des choses
assez bizarre. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quelque part, dans 2 cas sur 3, en fait, ce sont plutôt des choses qui semblent pas très accueillantes, comme ceux qui ont été suivis, par exemple, ou le troisième, donc Noël Boy, dont on lui dit directement de partir. Ça renforce quand même la possibilité que, si c'est vrai qu'il y a des rituels sataniques qui sont faits là-bas, que possiblement ces fameux rituels aient amené d'autres esprits un peu moins sympathiques que ceux qui y étaient à l'origine, c'est-à-dire ceux qui sont morts à l'hôpital, donc incendie ou morts d'autre chose, ou ceux qui sont morts tout simplement quand ils étaient propriétaires du domaine. Il n'y a vraiment que le père qui voit des choses qui, lui, ça fait plus penser à la vie de l'époque, justement, dans le bâtiment, où là, ça reste, on va dire, entre guillemets, un peu plus sympathique, un peu plus normal. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des fantômes et des activités paranormales possibles qui auraient lieu dans ce fameux Istana Woodnut House, où je garde ce nom jusqu'à la fin, car comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le nouveau nom était très peu utilisé, donc moi je garde le nom d'origine, même si ça a changé de nom, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert un nouvel endroit hanté que vous ne connaissiez pas. En plus, là, on est parti à Singapour. Ça vous a fait un petit voyage. Comme je le disais, c'était une vidéo qui a été demandée par une abonnée. J'ai dit que je regarderais si je trouvais quelque chose à dire dessus et que j'en ferai une vidéo pour le prochain Hantise. Eh bien, c'est chose faite. Maintenant, la vidéo, comme vous voyez, qui concerne le Woodnut House, et sur la chaîne. Vous pouvez me dire tout ce que vous en avez pensé tout simplement en allant dans les commentaires, si vous avez apprécié, si vous connaissiez ce bâtiment, si vous pensez que c'est vraiment hanté, si vous pensez que les rituels sataniques peuvent avoir apporté des mauvaises entités, si vous n'y croyez pas du tout. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez dire, tant que vous l'exprimez dans le respect, vous pouvez le faire en allant dans la section commentaires. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air ou un like. Ça dépend comment vous le nommez. Et puis, si vous débarquez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, sachez que ce genre de vidéo, c'est mon lot quotidien, puisque je fais 3 vidéos par semaine dans le même style, qui concerne donc le paranormal ou surnaturel dans son plus large éventail. Donc, vous avez forcément un des sujets que j'évoque qui devrait vous intéresser. Sachant que je ne parle pas que de fantômes ou de maisons hantées, mais de plein d'autres choses. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas, prenez quelques petites secondes et cliquez sur le bouton s'abonner. Comme ça, je peux vous dire bienvenue parmi les nouveaux bibliothécaires de la chaîne. Et normalement, si vous avez appuyé sur s'abonner, vous devez avoir vu apparaître à côté du bouton une petite cloche. Eh bien, celle-ci, en fait, est là pour que vous puissiez décider si vous voulez recevoir, oui ou non, et à quelle fréquence, des notifications venant de ma chaîne. Personnellement, vous vous doutez que je vous conseille de cliquer sur cette cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur celle-ci, vous aurez directement une notification qui va vous prévenir et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la notif et ça vous amènera directement sur la vidéo en question. Donc pas besoin de chercher si j'ai publié ou pas, YouTube vous préviendra. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de bouche à oreille comme on dit, en en parlant autour de vous, ou bien tout simplement en utilisant tout ce qui est ordinateur, tablette, smartphone, enfin tout ce qui est possible, en envoyant des mails ou en publiant sur les réseaux sociaux ou bien en postant un article sur votre blog ou sur votre site internet ou bien d'autres choses que je ne connais pas et qui permettent de partager du contenu sur internet. Eh bien, je crois que cette vidéo commence à être assez longue et qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour une prochaine vidéo. Bye !